Ce bâtiment a été dessiné en 2005 et construit en fait en 2006-2007, 18 mois. Ça fait déjà 7 ans. Quand j'étais étudiant, j'ai eu pour enseignant, entre autres, Henri Sérieni. Et je faisais des rendus avec des rapports lumière-ombre qui étaient extrêmement contrastés, très tranchés, avec très peu de nuances d'ombre. Et un jour, Sérieni est venu vers moi et il m'a dit « Les ombres que vous dessinez, ce ne sont pas les ombres créées par Dieu. » Je n'ai pas compris grand-chose, en fait, ce qu'il a pu vouloir me dire à ce moment-là. Et puis dans ce bâtiment, en fait, à Bangkok, j'ai eu une forme de révélation. C'est-à-dire que ces atriums, ce sont des verticalités enveloppantes qui permettent en fait des dégradés d'ombre absolument fantastiques, extrêmement riches. Voilà, donc c'est dans un atrium un peu similaire à celui-ci que j'ai découvert en fait les dégradés d'ombre. J'ai toujours en fait été angoissé par le fait de ne pas savoir construire. Alors c'est une angoisse qui disparaît un petit peu avec le temps, heureusement, avec les expériences qui s'accumulent. Mais par exemple, je suis fasciné par Lautner ou par Wright, par leur parcours, par leur en fait rapport précoce, leur relation précoce à la matière et au matériau. J'aime beaucoup aller sur les chantiers. L'agence s'implique énormément aujourd'hui en fait dans cette période qui est la période de la construction. On intervient à la fois en fait en tant que maître d'œuvre d'exécution et aussi parfois en tant qu'entreprise générale. C'est quelque chose qui existe aussi en France. En France, on appelle ça être architecte consultant général. Mais c'est quelque chose qui en France est très limité, très cadré, parce que, si je ne dis pas de bêtises, en fait, on ne peut pas exercer les deux activités dans une même entité juridique, parce que c'est contraire à la déontologie de la profession d'architecte. Je pense qu'il peut être au contraire extrêmement intéressant d'être à la fois architecte et entrepreneur, et consultant général en fait sur un projet que l'on réalise, parce que ça peut être sain, en fait. Quand on est à la fois architecte et consultant général, on ne peut pas se défier. On ne peut plus se cacher. On est responsable de tout. C'est une grande responsabilité qui, entre contreparties, en fait, permet aussi un grand pouvoir. Puisque tout passe par nous. Et dans un pays en fait comme le Vietnam, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de mieux contrôler ce qui est bâti. On a accès à une richesse d'opportunités. En tout cas, c'était le cas avant. Ça l'est moins aujourd'hui. Je pense que ça existe encore, mais plus tellement au Vietnam. Bon, à l'époque, c'était le cas. Je suis arrivé au Vietnam et puis, 6 mois après mon arrivée, j'étais en charge d'un concours pour la nouvelle cathédrale de Phnom Penh. Heureusement, on n'a pas gagné, ce n'était pas extraordinaire, mais disons, c'était tout de suite, c'est être confronté à des échelles, à des programmes, qui sont des choses qui sont évidemment extrêmement excitantes en fait quand on est un jeune architecte. Voilà. Alors, c'est après, ces opportunités d'échelle existent encore, toujours, mais disons que l'herbe n'est pas forcément plus verte ici. C'est aussi très difficile, pour des raisons qui sont spécifiques en fait, au contexte vietnamien, et la façon dont on fait les choses, et c'est aussi très mal connu. On arrive ici, au départ on fait un petit peu des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en fais peut-être encore, hein, certainement. Mais disons qu'on apprend ce qui devait se faire avant.
et qui se faisait mieux au couple qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Avant, il n'y avait pas l'air conditionné, on était obligé de prendre en compte le climat. Aujourd'hui, on a cette facilité et on a des situations qui sont un petit peu, qui deviennent un peu aberrantes. C'est-à-dire qu'il y a la facilité d'ignorer finalement les caractéristiques du climat. Et on se retrouve avec des projets où finalement on est un peu en boîte l'humain. Ça conduit pour moi à des formes d'aliénation en fait. Donc dans nos projets, de plus en plus, parce que bon, on travaille la problématique, on trouve le moyen de se libérer de cet impératif-là. Alors on ne supprime pas, on laisse toujours en fait le choix d'utiliser ou de ne pas utiliser, mais on crée en fait la possibilité, on rend possible ce choix-là dans nos projets. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça conditionne en fait tout le reste. Parce que c'est ça vraiment qui va définir les grandes intentions du design du projet par rapport en fait à cette question du climat. Ce travail sur le choix de l'utilisation de l'air conditionné, c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment quelque chose de structurant. C'est-à-dire qu'on ventile le projet et on arrive à des solutions qui sont des solutions qui sont très proches justement de ce qui a pu se faire dans l'architecture traditionnelle et ce qui a pu se faire aussi dans l'architecture coloniale plus tard. Donc c'est pas simplement la ventilation, mais c'est des dispositions particulières. C'est une mise en forme en fait du volume en fonction des orientations. Voilà. Donc c'est un certain nombre de choses où vraiment on essaie de recréer finalement le lien entre intérieur et extérieur. On a beaucoup travaillé là-dessus sur un projet en l'occurrence de maison dans le district 9 et où la commande était formulée comme ça, c'est-à-dire que le client disait explicitement « nous voulons pouvoir vivre dans un espace ouvert ». À terme, ça m'intéresserait de travailler aussi en fait, sur les projets en France, pas par nostalgie, mais simplement parce que les opportunités aussi en France, même si elles ne sont pas nombreuses, même s'il y a beaucoup... simplement, ce sont des opportunités qui sont intéressantes. Professionnellement, ce sont... il y a des possibilités en termes de critères structurels qu'on ne retrouve pas forcément, en fait, en Asie et au Vietnam. Voilà. Donc ça, c'est pour la question par rapport à la France. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en Asie, il y a 2 ans, en fait, l'activité a commencé à ralentir au Vietnam et on a commencé un peu à prospecter autour. Et on s'est intéressé au Cambodge. Il y a de ça à peu près un an. Et puis nous avons gagné la compétition pour la rénovation et l'extension de l'école française de Phnom Penh. Et ce concours, en fait, nous a permis d'être présents de manière évidemment très régulière à Phnom Penh. Et aujourd'hui, on enchaîne avec un hôtel et on développe une structure là-bas. Donc, on a envie, bien sûr, de ne pas se limiter à une activité au Vietnam, même si je suis convaincu qu'en fait, très rapidement, on va à nouveau avoir énormément de choses à faire ici. Mais simplement, j'ai envie de retrouver dans les projets dans lesquels on peut être impliqué, cette espèce de variété que je retrouve dans les programmes, on intervient sur tout type de programme, et j'ai aussi envie de travailler dans des contextes très différents. C'est peut-être le cas, mais ça dépend
aussi un petit peu de quelle dramatisation on parle. Je pense au contraire, j'ai plutôt l'impression que nous sommes dans une période où nous avons perdu en dramatisation. Je vais répondre un petit peu à la question d'une manière détournée. Je pense qu'on est aujourd'hui dans... on vit aujourd'hui, moi c'est comme ça que je le ressens, l'insoutenable légèreté du paraître. Ce que je veux dire, c'est que la recherche de sens, le questionnement, le discours critique, le débat, ont été un petit peu dilués, sont noyés. On est au-delà de la société des spectacles, on est dans la période du buzz. Pour une image, alors une image en l'occurrence, on est, c'est le choc des photos, poussé à l'extrême. La première chose, je pense qu'il faut une honnêteté intellectuelle dans l'art de bâtir. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ça rejoint un petit peu la question précédente et la réponse aussi que je viens de donner, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir justifier de ce que l'on fait. Et cette justification doit avoir du sens. Cette justification ne doit pas être basée sur un mensonge. La deuxième chose, c'est le devoir de responsabilité. J'ai l'impression, en fait, que quand on dit ce genre de choses, on passe un petit peu pour réactionnaire. À tel point qu'on est dans un moment où il faut être absolument fun. Donc, non, devoir de responsabilité. On construit, on ne dessine pas seulement, on construit pour un client, éventuellement pour la famille de ce client, certainement pour les voisins du client, pour la ville autour, pour la société, et puis pour demain, pour les générations futures.